Bienvenue sur Radio des artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes. Ton émission quotidienne. Aujourd'hui, j'ai envie de te motiver un petit peu. Hein. Alors, on va sortir un peu les doigts du machin. Bon, c'est pas très beau comme image. On est dimanche aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette émission. Peut-être que tu as passé la journée en slip ou en pyjama. Mais c'est pas grave parce que ce à quoi j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est la partie en toi qui est un peu positive. Tu vois, celle qui arrête de se lamenter quand il fait un temps de merde dehors. Celle qui ne se dit pas, ah oh mais merde, moi j'aimerais bien pouvoir exposer dans telle et telle galerie, mais vraiment je suis pas là hauteur. J'ai pas envie de parler à cette partie non plus qui se dit non mais est-ce que moi franchement ça vaudrait vraiment le coup que je sois artiste comme ce super artiste là que je vraiment que j'idolâtre quoi. Non alors celle-là, cette partie là on va la laisser de côté aujourd'hui. Et je voudrais que tu prennes un papier, un stylo et que tu notes une chose très très simple. Simplement tes dix qualités. T'es dix qualités en tant qu'artiste. Et de toute façon, des qualités tu en as, même si es en train de débuter, même de débuter carrément une pratique artistique. Peut-être que tu, tu commences à, à dessiner un petit peu. Ça t'a toujours un petit peu titillé, ce truc-là. T'as toujours un peu dessiné sur un coin de la table ou, bon, bref, tu comprends le truc. Et, Peut-être que tu en es juste au début, peut-être qu'on tu en es au début de ta carrière d'artiste, tu te dis ben voilà moi j'ai un boulot à côté mais j'aimerais bien peut-être passer un peu, plus, un peu plus le pas et produire un peu plus, prendre un peu plus de temps pour moi, pour, euh, voilà, pour créer, pour peindre, pour prendre des photos, pour sculpter, pour ben je sais pas, peu importe ce que tu fais et d'ailleurs si tu as l'intention d'inventer une nouvelle pratique, vas-y quoi, fonce ça demande pas forcément d'abandonner son boulot alimentaire, d'accord Donc, sois rassuré sur cette partie-là. Alors, peut-être que toi, tu as déjà passé le pas, puis tu es artiste depuis un moment et tu n'as plus de boulot alimentaire. Et toi aussi, tu as des qualités. Donc, je voudrais que sur cette feuille-là, sur cette feuille blanche, que tu puisses écrire, en gros, si tu as un marqueur, c'est top. Sinon, prends un stylo, ça suffira déjà amplement. Et tu notes les 10 qualités que tu as en tant qu'artiste. Peut-être que toi... Tu as une grande maîtrise plastique de l'outil que tu utilises. Peut-être qu'au contraire, tu as, enfin, pas au contraire, mais autre chose comme qualité, tu as un œil particulier. C'est-à-dire que ce qu'ont un peu tous les artistes finalement, mais peut-être que tu t'es orienté vers la photo et que tu as une sensibilité au cadrage particulier. Tu vois, donc vraiment, ce qu'on appelle l'œil du photographe, et que t es, t es, vraiment, il y a, quand tu regardes, en fait, tu vois l'équilibre des volumes, tu vois l'équilibre de la lumière, etc. Peut-être que toi, au contraire, c'est de voir ce qu'il y a d'intéressant dans la personne qui est en face de toi. Je ne sais pas, peut-être que tu t'es intéressé au portrait à un moment donné, certainement que derrière cette, cette volonté de faire des portraits, tu t'intéresses profondément aux gens, aux personnalités, aux personnages peut-être. Une autre de tes qualités, ça peut être que tu es intuitive, intuitif. Alors tous les artistes le sont à des échelles différentes, mais peut-être que toi, ta particularité en, ta, en tant qu'artiste, c'est de faire de la peinture intuitive ou de la sculpture intuitive aussi. De la photo intuitive, je demande à voir d'ailleurs. Ce serait intéressant si euh, tu es, es photographe et que tu fais de la photo de manière très intuitive, je serais intéressé de voir ton travail et que tu puisses le partager. Donc tu trouveras un lien quelque part pour, pour me contacter si c'est le cas. Alors, pourquoi je dis que le fait d'être intuitif, intuitif dans ton travail de manière, tu vois, vraiment à 100%, fait que c'est une qualité, ce truc-là. Pourquoi c'est une qualité d'être intuitif Parce qu'il y a le lâcher-prise qui va avec. Et ça, c'est une qualité qui est énorme aussi, le lâcher-prise. C'est-à-dire, tu es en capacité de lâcher-prise. C'est-à-dire, de te, tu vois, de te, d'une certaine manière, de te laisser aller, mais sans te laisser aller. C'est-à-dire, te décontracter complètement, te détendre, pour que l'intuition vienne à toi, et que tu lâches tout ce que tu as pu construire comme idée sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, même dans ta pratique, et que tu, ailles, tu y ailles quoi, de manière intuitive. Hein, c'est un peu, c'est ça finalement un artiste intuitif, c'est quelqu'un qui va recevoir de, de l'information, donc on parle d'inspiration, d'intuition, et va coucher ça sur une toile, euh, sans, euh, sans limite de technique ou de barrière, et puis même s'il faut prendre un moment donné la tronçonneuse pour tronçonner le truc en deux, il le fera cet artiste ou elle le fera. Donc tu vois que des qualités, en tant qu'artiste, il y en a plein qui existent. Ce qui est génial, c'est que il y a des millions et des millions de qualités qui peuvent exister chez les artistes, puisque chaque artiste est différent. Toi, tu es différente ou différente de ton artiste à côté, de ton voisin, tu vois, de ceux que tu côtoies, des amis peut-être. T'as vraiment ta particularité. Dans cette particularité-là, il y a des qualités. Et je voudrais que pendant cette semaine-là de lundi jusqu'à jusqu'à dimanche prochain là on va dire au moment où tu écoutes cette émission euh, et sept jours après que tu focalises sur tes qualités c'est-à-dire que tu gardes ce papier avec toi soit tu l'affiches ça c'est une technique que j'aime bien hein, une petite technique comme ça un petit outil que j'aime bien donner c'est faire en, en sorte d'afficher euh, cette liste là à un endroit que tu vois tous les jours ça peut être le miroir dans la salle de bain ça peut être ton plafond au-dessus de ton lit comme ça tu sais quand tu te réveilles, boum tu vois le truc euh, ça peut être sur le pare-brise de ta voiture enfin Fais attention quand même, pas avoir d'accident avec ta bagnole, mais tu as compris le principe. Euh, moi, j'utilise parfois l'écran de mon téléphone. Comme, tu sais, on est beaucoup sur les smartphones. Alors, moi, de par mon métier, puisque j'ai une présence sur Internet, j'ai mon smartphone qui est régulièrement avec moi. Je prends des notes aussi sur mon smartphone. Hein. C'est un peu devenu mon carnet de, de notes finalement. Et alors, parfois, je note encore sur papier. J'aime bien le papier aussi, mais euh, des fois, c'est assez pratique d'avoir son smartphone. Donc, c'est un, un outil dont je me sers beaucoup. Et ce que j'ai fait, c'est que euh, mon fond d'écran, en fait, je me suis fabriqué un fond d'écran avec un, une petite application euh, iPhone, tu vois, il y a une application pour... Euh, bah, qui est, je te la donne, c'est Pixelmator, qui est un espèce de, de, de Photoshop euh, euh, sur euh, sur iPhone, qui marche très très bien. Donc je me suis fait mon petit montage comme ça, avec mes petites phrases qui vont bien. Et à chaque fois que j'allume mon téléphone, je vois mes petites phrases qui vont bien. Et même à un moment donné, j'oublie mon fond d'écran, mais mon inconscient qui lui voit tout, euh, voit ces messages-là. Donc c'est une forme d'un petit peu de conditionnement. Il y a le développement personnel qui a enfin certaines techniques de développement personnel qui ont repris cette idée-là euh, qui est simplement euh, ce qu'on appelle les pensées positives, donc avoir des pensées positives et donc répéter comme ça des phrases positives. À quoi ça sert concrètement de répéter des phrases comme ça ou de les voir, déjà de les noter Bon bah, tu sais de les conscientiser, ça c'est une première chose qui est hyper importante. On a tendance, et ça c'est comme ça, l'être humain aujourd'hui dans cette société est comme ça, d'autant plus en Occident, enfin on va dire d'autant plus en France, les Français, on a une mentalité vraiment particulière, et on est habitué comme ça à plutôt se dénigrer, à plutôt regarder les mauvais côtés, à plutôt regarder ce qui va pas chez nous, ce qu'on pourrait améliorer. Alors qu'on a déjà des qualités, tu as déjà des qualités qui sont hyper importantes et surtout qui sont précieuses, qui transpirent déjà certainement dans ton travail. Donc pourquoi ne pas déjà... Les rendre un peu plus conscientes, c'est-à-dire se poser, tu vois, c'est vraiment, là tu prends deux minutes avec toi-même, tu notes ces qualités-là, tu peux les demander aux autres autour de toi, aussi à tes amis, à, à ta famille, à ta femme, à ton homme, à bon, peu importe qui est autour de toi, des gens qui te connaissent, peut-être tes parents aussi, et leur demander quelles sont mes qualités. Juste pour vérifier un petit peu si les qualités que tu as notées toi sont cohérentes avec celles que les autres euh, voient de toi, et si peut-être tu peux aussi en rajouter dont toi tu n'aurais pas, pas forcément conscience, mais que les autres autour de toi voient. Tu sais que c'est toujours plus facile de voir ce qu'il l'autre que chez soi. C'est comme ça, <laughs> malheureusement, mais euh, bah, du coup ça va te faire parler un peu avec les gens autour de toi, donc c'est pas plus mal, ça rajoute de la socialisation là-dedans. Deuxièmement, le fait de focaliser sur des choses positives, et surtout des traits de caractère personnel, des, des, vraiment des qualités. Personnel, le fait de focaliser là-dessus sur une durée assez importante, alors là on va le faire pendant 7 jours, mais il faudrait le faire au moins pendant 21 jours, bon il y a, un, il y a vraiment un intérêt pour ça, je ne vais pas rentrer dans les détails à ce niveau-là, mais il faudrait le faire en fait sur une, une longue durée. Ok, donc un mois c'est bien. Si arrives à le faire déjà pendant une semaine, c'est génial. Ça va te permettre de focaliser ton attention. Il faut le faire donc plusieurs fois par jour, comme tu l'as compris. L'idée de répéter ces phrases là de manière efficace, ça se passe le matin au réveil et le soir au coucher. Voilà, il y a tout un tas d'expérimentations qui montrent l'efficacité, si tu veux, de ces moments là dans la journée. Pour une raison assez simple, c'est que euh, tu es proche de l'état alpha, c'est-à-dire qu'un état, l'état alpha, c'est une vibration particulière, c'est un taux vibratoire du cerveau qui est assez proche du sommeil profond ou de l'état méditatif. Et il y a beaucoup d'expériences qui montrent que dans cet état-là, on arrive à parler à une partie de le, du conscient et de l'inconscient, si tu veux, qui va t'entendre et qui va pouvoir commencer à programmer un petit peu les choses comme ça. Bon, bon, c'est très mal dit. Mais ce sont les deux moments de la journée qui fonctionnent le mieux si tu veux implémenter de nouveaux réflexes dans ton comportement. Donc le défi que je te donne là pendant une semaine, c'est simplement de te répéter ces qualités, tes propres qualités, une fois le matin, en te levant, une fois le soir, en te couchant, ou plusieurs fois. Hein, tu, peux, tu sais, tu si sais, c'est juste 10 qualités, tu peux les répéter 10 fois. Hein, tu vas faire euh, voilà, 10 fois 10, 100, tu vas te donner 100 qualités comme ça, chaque matin, chaque soir, je peux te dire que ça va te changer la journée. Ça, c'est le premier objectif. Mais tu comprends bien que si tu répètes ça chaque jour, si tu changes ta journée chaque jour, alors tu changes ta vie. C'est ça qui est assez, euh, assez rigolo et assez, euh, bah, surtout ultra efficace. Et tu vas pas te rendre compte que ça va te changer la vie. Pourquoi Parce que chaque jour déjà, tu vas changer ta journée. Souvent, on cherche des programmes super compliqués, euh, des techniques, des stratégies des pratiques, des enseignements qui sont extrêmement longs, qui sont extrêmement complexes à mettre en place dans notre quotidien. Beaucoup sont d'ailleurs des choses qui viennent euh, d'il de, de y a 10-20 ans et qui sont plus du tout applicables dans notre quotidien, dans notre vie sociale aujourd'hui. Je pense notamment à la méditation, tous ces trucs-là. La méditation, c'est bien. Hein. Moi, j'ai eu une période où je faisais beaucoup de méditation. Ça fait, ça fait beaucoup de bien. Euh, je pense que parfois, il faut prendre un temps pour se poser et méditer et vraiment le faire tranquillement, tu vois, sans dire de le faire forcément tous les jours. Mais, euh, tu vois, il y a d'autres outils comme ça que je mets un petit peu dans le, dans le même saut que la méditation. Et c'est vrai, clairement, enfin, je pense que tu es d'accord avec moi, qu'ils sont difficiles à mettre en place tous les jours tu Vas le faire pendant un certain moment, et puis à un moment donné, ça va, tu vas décrocher parce que tu as vraiment ton quotidien qui ne correspond plus à ce type de pratique en fait. Alors que bah, cet outil il est tout con, mais il fonctionne extrêmement bien, il est, il est vraiment puissant, et j'aime bien ça. Ça fait partie en fait, ce truc là fait partie de ma liste des cinq meilleurs outils pour apporter une vraie transformation dans sa vie. Et si ça te dit, je peux te donner un. Un deuxième niveau du défi, et là on va rigoler un petit peu, ça va être sympa, ça serait simplement de filmer, de te filmer et de faire une vidéo sur ta première qualité. Voilà, tu prends ta liste de 10 qualités, tu prends la première, la première ligne, ta première grande qualité, et tu fais juste une petite vidéo comme ça, une vidéo même de 30 secondes, on s'en fout, tu prends ton smartphone et simplement tu expliques. Quelle est cette qualité que tu as en tant qu'artiste? Voilà. Je te mets au défi de faire ça, et je te mets au défi de la partager. Tu peux me l'envoyer aussi, moi j'aimerais bien voir ta tête et que tu m'expliques un petit peu quelle est cette qualité chez toi. Et imagine si tout le monde faisait ça. Imagine si, si, si tous tes amis autour de toi parlaient d'au moins une de leurs qualités. Est-ce que ça serait pas génial, à un moment donné, de se marrer? Parce que l'idée c'est pas tant de faire un truc sérieux ni de faire les guignols, mais c'est vraiment d'être authentique à travers cette vidéo. Et d'expliquer la qualité que tu as. Est-ce que ça ne donnerait pas envie aux autres de faire pareil, quoi Même si à un moment donné, peut-être qu'on se foutra ta gueule, parce que en France, c'est vrai qu'on n'aime pas trop se la péter, on n'aime pas trop euh, parler de ce qui est bien chez nous. Mais si tout le monde faisait ça, finalement, est-ce que ça serait pas plus génial Est-ce qu'on s'aimerait pas déjà plus soi-même Est-ce que ça serait pas plus facile de voir les qualités chez les autres au lieu de tout le temps voir les défauts chez les autres et les trucs qui nous font chier Tu vois, si on focalisait vraiment le plus possible tous ensemble sur nos qualités comment ça changerait nos vies l'authenticité marche extrêmement bien en vidéo lorsque on est en train comme ça d'implémenter une stratégie de communication quand on est artiste on a fait un exercice comme ça il y a quelques temps euh, avec les, les artistes membres de l'art class. Et il y a eu de belles surprises, il y a eu vraiment des vidéos étonnantes. Alors j'ai été le premier étonné d'ailleurs que les membres jouent le jeu. Vraiment, il y en a, a quelques-uns qui ont vraiment joué le jeu. Et certains se sont même fait vraiment surprendre de la réaction qu'il y a eu et un peu du buzz qu'il y a eu autour de leurs leur vidéos euh, qu'ils ont partagées sur Facebook. Alors que finalement, ils sont juste en train de parler de choses qui sont authentiques, qui sont simples, mais d'une simplicité. Quand tu fais ça de manière simple, authentique finalement, là je, je parle faire de la vidéo, ça touche les gens. Parce qu'ils peuvent s'identifier. Dans cette vidéo-là, t'es plus euh, le, le, le mec qui, qui, pr qui présente le journal du 20 h ou la Nanette qui présente le journal du 20 h ou une autre émission sur la radio. Tu vois, t'es plus une star, t'es plus quelqu'un, t'es pas quelqu'un qui à qui on peut pas s'identifier et qui est derrière la télé en fait. T es quelqu'un vraiment chez qui on peut se dire ah ouais mais j'ai soit les mêmes problématiques ou le même avis ou putain mais j'ai la même qualité que toi mais c'est génial et on va pouvoir se connecter avec ça. Faut que ça soit dit de manière simple, faut que ça soit montré de manière très simple avec les mots que tu utilises tous les jours. Et franchement, j'ai hâte de voir ta vidéo. Alors, si tu veux aller un peu plus loin là-dessus, j'ai fait toute une émission spéciale sur comment utiliser YouTube pour booster ta carrière d'artiste. En gros, ça va te permettre à quoi Ça va te permettre de. Ben, alors, ça va te permettre de quoi Je vais parler français aussi, c'est mieux. Ça va te permettre de ben, littéralement développer ton réseau, de te rendre beaucoup plus visible, de communiquer une part de, de, de qui tu es en tant qu'artiste que tu n'as pas encore communiqué, que tu n'as pas encore montré. Ça, c'est un truc qui est hyper important parce que souvent les artistes ont tendance à montrer que leurs œuvres, à montrer que leur processus créatif, à parler uniquement de leur démarche artistique. Mais si tu regardes bien, lorsque toi-même, tu t'intéresses à une personnalité, que ce soit un, une artiste ou autre, en tout cas, une personnalité, quelqu'un qui est qui vraiment, qui est renommé dans son milieu. Ce qui t'intéresse finalement derrière son travail, alors oui, tu t'intéresses à son travail si c'est un artiste par exemple, mais tu vas chercher à savoir qui est cette personne derrière l'artiste. Tu vas essayer de, pour comprendre d'autant plus son travail plastique, tu vas t'intéresser à qui est cette personne, quel est son parcours. Et ça va t'apporter des éléments de compréhension pour comprendre d'autant plus son travail plastique. C'est extrêmement important et très peu d'artistes aujourd'hui, renommés ou non, utilisent cette technique-là, qui est plus qu'une technique en fait, qui est simplement la manière authentique dont on communique avec les autres autour de nous d'habitude. Donc si tu veux en savoir un peu plus là-dessus et profiter vraiment de YouTube pour toi en tant qu'artiste, je te laisse aller écouter cette émission spéciale. Elle se trouve dans la description, hein. tu as le lien pour cliquer dessus et aller écouter l'émission. Si tu es sur YouTube, c'est sous la vidéo. Si euh, tu écoutes cette émission sur Facebook, ça se trouve dans le statut juste au-dessus de la vidéo. Et si tu écoutes cette émission sur l'application Radio des Artistes, dispo sur iPhone et mobile Android, tu as juste à cliquer sur le titre de l'émission tout en bas de la liste. Ça t'ouvre l'image de l'émission. Sur cette image, tu as un petit i comme info sur la droite en haut. Tu cliques là-dessus et tu vas avoir accès à la description et au lien pour aller écouter cette émission spéciale sur comment utiliser YouTube pour développer ton activité artistique. Donc je te retrouve dans l'émission spéciale, j'attends de voir aussi ta vidéo avec ta qualité et on se retrouve demain pour la prochaine émission, salut